Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle. Je suis avec un petit modo. Yo les gens. Yo les abonnés. Ok. Oh non, il doit être dehors. T'as entendu ça? Voilà le créa, le créateur. Je vais présenter les bus. Pas en fluo, merci. Ça veut dire quoi, Fluo? Bon. Tu l'entends? Les oiseaux se remettent à chanter. Ça va sûrement se dégager. Hé, ça vous dit une partie de Bretzel? Non, merci. Pas maintenant. Oh, allez, ça vous ferait penser à autre chose que l'orage. D'accord. Pourquoi pas? Honneur aux dames. Oh oui, donc désolé, donc voici. Angelo, tu peux faire tourner les pieds? Bien sûr. Bon, voilà. Ça vaudrait mieux, je te le promets. Bon sang, douane, qu'est-ce qu'il pleut? Mais enfin, comment c'est possible? Oui.
Bon, voici l'arrière, voici la porte, les deux portes arrière. Voici dépôt transverse. Enfin, ce sont tous les arrêts qu'il fait. Voici le côté, voici l'avant. Il est moche. Il est pas moche. Qu'est-ce qu'on compense et quand tu vas gagner le jeu pour finir? A tout de suite, débilos! Bon! Il y a ça. Ça, c'est le côté avec le petit logo. Pas mal. Non, elle est là. Vois ça, le. Ivacita. Voici le côté. Montez tous. Voici le bus. Ah oui, c'est vrai, dans la dernière vidéo. Je vous ai déjà montré. Et là, voici un petit Urban Iveco Urban Way 12 cm. Bon, voilà. Je crois que j'ai dû m'endormir. Alors, ça a marché? Tu connais l'histoire maintenant? Attends, quelle histoire? La famille du Nouveau Monde. Ah, je me souviens de rien. Mais j'ai fait un rêve vraiment bizarre. Stratégie 2. Ah, il commence pas ici. Film adapté de livre. Bon. Nous sommes partis vers l'ouest au lever du sol. Tu regardes la famille du Nouveau Monde? Bien vu. J'ai jamais aimé ce film. Ils ont changé trop de choses par rapport au livre. Hein, quoi? D'abord, c'est plus les mêmes personnages. Et je comprends pas pourquoi ils ont remplacé le chien par un hamster. Qu'est-ce qui fait froid dans notre entreprise? Nous avions embarqué dans un vaisseau de pointe intersidéral et nous dirigions vers Mars. Mars? Et bien sûr, il n'y a rien dans le livre à propos d'un voyage dans l'espace. Une navette spatiale n'existait même pas au 19e siècle. C'est vraiment n'importe quoi. Bienvenue, Terria Commentale. Ça va mal faire. Boum! Comment se passe ta non-lecture? Ce matin, j'ai vu un spectacle de marionnettes avec mon petit frère. Qu'est-ce qui fait froid dans le Grand Ouest? C'était comment? Elles se sont surtout tapées dessus. Ah! Bon. Je vais faire la ligne B. Voilà.